Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalitéuqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les rôles de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est un impôt qui fait partie d'un ensemble d'impôts et taxes en vigueur au Canada. Attardons-nous maintenant aux objectifs et rôles que joue l'impôt sur le revenu. À l'instar des autres taxes et impôts, le premier rôle de l'impôt sur le revenu est assurément de percevoir des deniers publics chez les contribuables afin d'en faire une gestion gouvernementale et de financer les différents services publics qui sont offerts à la population. Mais l'impôt sur le revenu peut aussi jouer d'autres rôles, tels de contribuer à la croissance économique de certains secteurs. Donc pour certains secteurs économiques, une variation dans le taux d'impôt applicable à ces entreprises, soit la hausse, soit la baisse, permet à ces secteurs de croître plus rapidement ou de sortir, par exemple, de certaines difficultés. Donc du point de vue gouvernemental, il peut être avantageux de, par exemple, réduire le taux d'impôt pour certains secteurs d'entreprise leur permettent d'avoir un peu d'oxygène et de pouvoir survivre à des moments plus difficiles et conséquemment ne pas avoir à défrayer le coût social qu'engendrerait une fermeture de cette industrie. Un autre rôle que joue l'impôt sur le revenu est de répartir équitablement la richesse entre les différentes classes de contribuables. Donc, considérant que les taux d'imposition sont progressifs, c'est-à-dire qu'ils augmentent au fur et à mesure que le revenu imposable augmente, cela fait en sorte que les contribuables les mieux nantis contribuent une proportion plus importante de leur revenu en impôts que les contribuables les moins nantis. Et, comme nous le savons, l'ensemble des contribuables, peu importe leur classe, pourront profiter des services publics offerts à même ces perceptions d'impôt. Finalement, l'impôt sur le revenu peut aussi jouer un certain rôle de compétitivité économique avec les différents États voisins. Donc, à l'instar d'une entreprise qui se doit d'être compétitive dans ses prix face à ses concurrents, un État ou un pays se doit aussi de l'être dans ses différents taux d'imposition. Donc, le Canada se doit d'avoir des taux d'imposition comparables et concurrentiels avec les différents États et pays voisins tels les États-Unis et ce afin de s'assurer que des entreprises soient intéressées à s'installer au canada et non seulement aux états unis pour une raison de taux d'impôt avantageux. donc bien sûr plus le nombre de contribuables importants s'installe au canada plus grande sera la perception d'impôts disponible pour l'ensemble des canadiens. en conclusion nous constatons que l'impôt sur le revenu joue différents rôles qui sont complémentaires. Conséquemment, il est fragile de trouver un juste équilibre au niveau des taux d'imposition afin de s'assurer de satisfaire tous ces objectifs. Assurément, lorsqu'on les regarde un à un et qu'on se dit que c'est relativement facile d'ajuster les taux d'imposition pour satisfaire l'un de ces objectifs, possiblement que c'est vrai, mais que par le fait même, nous nous éloignons de d'autres objectifs qui viennent d'être énumérés. Donc, l'équilibre dans l'établissement des taux d'imposition qui assure le respect et l'atteinte de tous ces objectifs est un art difficile à atteindre et est un équilibre qui doit être maintenu par les gouvernements et revu de façon très régulière.